Et bien le bonjour à tous, et bien le bonjour à toutes, et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui sont abonnés à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes partis sur le jeu My Garage. Malheureusement, j'ai été obligé de recommencer une partie à zéro, suite à de gros soucis que j'avais sur l'ancienne partie. Donc, qui dit soucis, dit des trous dans le plancher, tout ça, des meubles qui volaient dans tous les sens. Vous êtes... Ah ouais, ça c'est la fosse. D'accord. La pour, c'est pour demain. Oh. Non, ça c'est la lumière. Ah bon. C'est autre chose. Oui, donc j'avais des soucis. J'avais des meubles qui sautaient, seul, dans le vide. Génial. Ça rebondissait dans tous les sens. J'avais tout un bazar. J'avais commencé un nouveau projet qui commençait à bien me plaire. J'avais commencé à reconstruire. C'était un mode d'une... comment s'appelle? Une BME 36. Ça m'intéressait bien quand même. J'avais fait vraiment en version course. Elle était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Mais le problème, c'est qu'il y a des meubles qui sautaient dans tous les sens. J'avais je marchais, j'avais carrément des trous dans le sol. Comme là, je marchais là, d'un coup ça boule. Ça baissait d'un coup. Oh non. Oh non, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Non. Hein. Oh non. On va. Non. C'est bon. J'ai eu peur. Je croyais qu'il y aurait eu encore un autre sous-saï. Mais non, tant mieux. Bon, Deborah, on dirait. Voilà. Donc, ben, la surprise, c'est qu'il va falloir recommencer à racheter une voiture. On va dire qu'est-ce qu'il y a de beau en face. Là-dedans. On a commencé à plus s'approcher ensemble de la voiture. La B200, la nouvelle voiture que vous avez faite là. Et. Voilà ça. Oula. Ah. Et elle a, comme qui dirait, un petit problème celle-là. Hein, c'est une B200 ça. B200S. Oui. Vraiment extra S alors. Allô. Ah, taxi Caracas. Alors ça. Je m'attends au pire à la casse. Elle est géniale. De toute façon, ici, à part le concessionnaire qu'on a été voir, donc trois voitures et la casse, vous n'avez rien d'autre. Si dans la ville, vous avez trois voitures, elles sont toutes neuves, il n'y a rien à faire, elles sont déjà préparées, tout ça, ben, c'est tout. Ça, c'est pas très intéressant. Si vous pour jouer à un jeu comme ça, avoir une voiture que tu as fait déjà, c'est pas intéressant. C'est pour ça que le mieux, c'est d'aller dans une casse pour récupérer au moins une épave. Pour la refaire au bon état, bien sûr. Je crains pire, c'est encore un vrai bordel là-dedans. Bon, on va y aller, oui. Yep, tout le monde en ligne. Allez. Alors, on va prendre l'avion, tu vois. Au moins, on aura quelque chose à faire. Je vois tout qu'on ira, mais bon. Donc, ça, c'est quoi ça? Coupé sport. Celle-là, c'est une cabriolet qui a pris un coup dans le museau. Un sacré coup dans le museau, hein. Voiture américaine. Voiture familiale. Mercedes cabriolet. Mercedes coupé sport. Ça m'intéresserait pour refaire ma BM, mais il y a sacrément du boulot à faire dessus. En plus, pour la traîner, bonne chance. Eh ouais, elle bouge même pas la centimètre. Génial. Il y en a encore une là. Oula. Celle-là. Là-dedans, le coffre est propre. Le plancher. C'est pas la version pierre à feu. Non, c'est bon. Là-dedans. Le moteur est en bon état. Par contre, le capot. Ah non. Ah, je crois que le capot faisait la gueule, non, mais c'est bon. C'est avec ça que j'ai réussi à refaire une BM. Je vais la prendre. Eh, mon filtre! J'ai réussi.
faire une EBM. Génial. Et puis voilà. Oh, mais par contre, j'ai jamais vu un pneu comme ça. Allô. On ferme ça. Ça, c'est la version longue, je crois, on dirait. J'ai l'impression en version version normale. La baie de sang. Diagnostic. Ah oui, diagnostic, on arrive tout. On va la prendre quand même. Oui, 3 étoiles. Ouais, chouette. C'est quoi ça? Ah, bon, tant pis. Ça restera là, c'est bien ça, il reste. Et mais voilà, on a déjà ça, c'est déjà bien. Hein alors, voilà. Vous voyez, la calandre de la BM. Voilà. Donc, ce que je vous disais. Et ça, c'est un mode que vous aurez sur le mode. Waouh, c'est un longeon de quoi ça? Longeon de châssis LB200. Oui. Yoï, yoï. Bon, toi, tu sais quoi, on te fera peut-être un petit peu plus tard, hein? On va te ramener. Non. On va marquer jusqu'au garage. Toi, ferme-toi. Oh. Remorquer jusqu'au garage. Et voilà. Et nous, on va peut-être se remorquer jusqu'au garage aussi, non? Mais non, le garage, pas la casse, brico. Oh, c'est pas vrai. Mais. Ah, bah avant, c'était de ferry ambulant. Mais qu'est-ce qu'ils ont? On va m'ouvrir les portes et tout, machin. Non, avance. Non, tête de bulle. Non, mais, hé. On ferme. Comment donc je me retape, je retape ça? Il n'y a même pas de chandelle pour la relever, il n'y a rien. Et on ne peut pas la bouger, c'est pareil. Eh ben non. Hein. Et ouais, il n'y a pas de chandelle, il n'y a rien dans ce jeu-là. Eh ben c'est bien. On va voir un chaos dans le garage. Ça serait bien qu'il y ait des chandelles. Qu'au moins les développeurs, ils sont. Comme qu'il dirait, réfléchi. À mettre des chandelles. Bon, toi, tais-toi. Merci. Là, il y a la sableuse. Nous la faudra plus tard. Eh ben, super. Génial. Youpi. Cool. Waouh. Alors, ça, j'adore. Et c'est pas Christian Dior. Il y a tout ce qu'il faut sauf les chandelles pour travailler sur une voiture. Oh, ouais. Pourquoi pas? Vas-y, bah, balance-moi le truc. Il y a rien surtout. I got a blonde joke for you. Oh, ça y est. So a blind guy walks into a bar and asks the bartender. Oui, demain. A blonde joke, to which the bartender tells him. Bah ouais, on l'entend même jusqu'ici. Heavyweight lifting. Mais il a un sac à gamelle, ce mec. Oh, c'est pas vrai, ça. On l'entend jusqu'ici. Oh. Et s'il y a encore des personnes qui veulent s'amuser à me critiquer, alors ils savent si bien le faire. La prochaine personne viendra me le dire en face. Je commence à en avoir marre des commentaires de critiques, etc. Des personnes qui viennent critiquer mes vidéos. Ces personnes-là commencent à me taper sur les nerfs avec ce carabinier. Et à la force, ça va mal se finir. On va prendre une R17 Deep. 17L ou 17, 17 normal. T'es rentré dans le sac, ça? Ah, ben non. C'est pas vrai. T'as pas une machine pour monter les pneus, t'as par hasard? Ah, bien sûr que non, hein. Mais rien tout. Pas moi de ça que ça. La roue? Non, pas le pneu, la roue. Bon, oh, va te revoir, c'est tout. La pousse? Oui, on va se laisser les courses. Non. Oh, ça, c'est le truc, mais d'une chiantise, je vous jure, mais d'une chiantise. Faut faire un aller. Mais, ah! Mais saute! Mais oh là 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 là! Ouais. Faut faire un aller avec la jante, un aller
avec la avec le pneu et il manque un outil. Ah non, il est là. Non, oh, je peux venir. Il est pour toi. Non, oh, je te dis. Ouais, bah, vu que j'en ai marre d'aller chercher à chaque fois le pneu, le ramener, la jante, aller acheter la jante et la ramener, j'en ai marre. Alors, en grand mot, les grands remèdes, moi, je fais ça. Et le truc, il est moitié décalé, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah, tu parles plus, toi, ça y est. Vous allez me dire, oui, pourquoi t'as pas pris un véhicule, c'est solo. Non. On a un garage de réparation. Il faut bien qu'on se démerde sans véhicule au début, non? Croyez pas? Non. Oh. Allez. Ouh. Pas retirer les trucs là-dedans. Ah ouais, ça va pas passer. Ah ben non. Bouge pas, toi. J'en ai marre, marre, marre. Vraiment plus que marre, j'en ai vraiment, vraiment bon marre. J'en ai marre, j'en ai marre, marre, marre. Oh. Hop. In the pocket. Le cri in the pocket, c'est la poche. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Personne ne sait par hasard dans le chat. Non? Non? Bon. D'accord. Demande pas à madame parce que madame n'est pas là aujourd'hui. Et ouais. Elle est partie voir sa maman. Ce qui est normal. Pour profiter un petit peu de la famille. Et oui. Et oui, ouais. Allez, là. Ben, je sais que ça va être le prochain mode, je vous le dis. Ça me regarde, mais ça me regarde. Voilà. Ma piquer ma roue. Ah non, il... Voilà. Bon, pour l'instant, je mets les roues comme ça. Mais vous comprendrez plus tard ce que je vais faire. Si on y arrive à la ramener jusqu'au garage, bien évidemment. Voilà, 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 et voilà. Voilà. Bon garçon. In the pocket, in the pocket, in the pocket. Oh, tout le monde descend. Oh, le. Oh, voilà. Dans les fouilles et ouais alors non pas mais que t'as de ferraille ambulant que t'as de ferraille que t'as de ferraille il faut gonfler les pneus d'une voiture à la pompe à vélo ouais je sais pas en quelle année ils sont dans ce jeu-là mais bon. Ils savent pas que les compresseurs qui existent et comme ça, non. Je dis ça, je dis rien. Il y a les compresseurs qui existent maintenant. On peut gonfler les pneus. On peut faire plein de choses avec. Non. Ah ben voilà. Bon, reste qu'à partir à la droite tout le temps. Allez. Allez. Tête de vache. Pas grave, on a rayé la peinture, c'est pas grave. Ah, mais tac de roue, tu devrais tourner à droite, non? Oh, ouais, Eh ben, bonjour, réservoir. Bon, pousse-toi. Bon,
Celle-là, je vous préviens d'avance, celle-là, va la foutre. Cul nu. Oh, je lui dis cul nu. Cul nu. Non pas cul nu, pied nu. Hein. Mais oh. Tu roules comme ça. Ouais, bon, mais. On va la laisser là, ce sera peut-être mieux. Bon. Qu'est-ce que c'est dedans? Ah, voilà. Première chose qu'il me fallait, c'est ça. Hop, toc. Et alors, quand je vous disais, celle-là va à la foutre. Ah, pas le dé complètement. Mais arrête pas. Oui, bébé, bébé. Bon, parce que pour faire une BM, il faut tout démonter. De A à Z. Toute la carrosserie, extérieur, intérieur, les phares, et tout ce qui va avec. Hop, là, il manque une. Là, j'ai pas d'aide. Bon, c'est pas grave. Allez. Montre. Non, tu vas pas faire monter la gueule, pas tu vois. De toute façon, ça dégage, ça dégage. Ça, il manque un boulon, quoi, là. Wow. Mais, une nerf, je peux pas me laisser passer, oui. Oh. Je vais finir par sortir à tronçon, une faire ta gueule, toi. Il est où le boulon? C'est le boulon. Ah, carrément en dessous. Ah, oui, mais bien sûr, les gars. Ah oui, bonne idée. Bonne idée de cacher le boulon bien quand il faut en dessous. On voit super bien. Il a un petit, il a un peu, il a un petit peu eu chaud la gueule le siège. Et oh. Ouais. Une fois ça c'est pratique par contre. Oui, pour en faire, pour faire d'une Mercedes une BM. Je me récapépète le plus possible. Il faut tout enlever. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Tout, tout, tout. Ouais. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous partez, c'est la bonne base. Là, la console, elle dégage. Dommage. Dommage qu'on ne peut pas revendre les pièces. Ils ont, nous auraient pu faire un truc pour vendre les pièces, ça reste. Il manque le compteur. C'est bien ça. L'ordinateur vend pièces pour moi, plutôt voiture, telle voiture. Ouais. Volant à 10 000 euros. Non, j'abuse. Non, non, je rigole. 10 000 euros en volant. La personne qui vend son volant à 10 000 euros peut se mettre bien, bien où je pense. Hein. Ça, le bois de vitesse, ça dégage. Bien évidemment. Et oui. Quand j'ai dit qu'il faut tout démonter, c'est qu'il faut tout démonter. Bah oui. On comprendra plus tard. Donc on sera attaqué. La deuxième étape. Ah, oh, non, on ne tient pas le carreau. Ah si. De toute façon, on n'en a pas besoin. Alors, viens. Mais. On va y arriver. On va y arriver tranquillement, mais sûrement. Je sais pas quand, combien de temps il va falloir pour démonter cette bagnole-là. Et surtout, combien de temps je vais la mettre, le faire pour la mettre sur le pont. Attaque, elle est. Secours. Bon. La vitre, c'est en option aussi de ce côté-là. Pourquoi pas? Moi, on a toujours la porte, c'est déjà ça. Mais, reste ouvert. Reste ouvert. Oh. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, le brave bête est sorti. Bon. Génial. On change d'outil. Un tableau de bord, un gros tableau de bord qui tient un 4 vis. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah, on va rien dire. Voilà, allez, on balance. Hop, poubelle. Ah oui, il y a des phares à retirer. Mais la gueule du fort. Pas besoin d'aller chercher bien loin après la vis. Bah, c'est...
c'est pas une voiture qui nous a coûté bien cher celle-là. Et la tronche que là. Aïe aïe aïe. Là. Voilà. Ah bah oui, c'est du boulot, hein. Désolé pour ceux qui s'attendent à autre chose qui se. Mais ah, qui swing un peu plus. Oh vache. C'est des phares injectables ou quoi? Elle est pas mal celle-là. On avait les sièges éjectables, maintenant on a les phares éjectables. Pourquoi pas? On dirait si bien par chez nous, ça fait toujours 59, mais bon. Il y a des limites quand même. Bah hein. Bon, ensuite on continuerait. Blup. Blup. Yep. Ah, d'accord. Mais non. Oh, c'est d'avoir le deuxième boulon en douille. Voilà. Bon. On met l'aile. Vas-y. L'aile. Ou le. Non, pas dans l'intérieur. Pourquoi pas. On s'est énervé. Voilà. Donc. Ensuite, tout ce qui est suspension, tout ça, on enlèvera ça après. Le dessous, on va enlever ça après. Le toit. Le toit. Voilà. Et les vitres, parce que les vitres, c'est pas les bonnes non plus. Allez. Ah, déjà une. Et. Ah, la deux. Voilà. Pardon. J'ai oublié ça, la putette, qui est un petit peu dégueulasse. Et comme tu dis, un petit peu froissé. Hein, voilà. Maintenant, la disqueuse. Génial, on n'a pas de disque. Punaise. Ouais. Et la prochaine étape, je mettrai un mode où je peux mettre les... On peut mettre les chandelles sans être embêté. J'en ai marre. Allez, le toit, je crois même que tu dégages. Ça fera des vacances. Tu pourrais dégager ta paillasse. Voilà. Ah, tu sautes ? Oh. Non ? Mais tu m'énerves, hein ! C'est que t'es soudé, toi, encore. Non, ça, c'est l'aile, c'est raté. Là, peut-être sûrement. Là. Là. Oh là, bah vas-y, j'ai tout fait la gueule, mais c'est pas grave. Si tu veux essayer de m'enterrer avec la voiture, c'est pas de mal à veille, mon pote. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle une décapotable. Voilà. Voilà, c'est plus qu'une décapotable, là. Bah là, moi, vous êtes tranquille. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour la première étape, parce que la prochaine, eh ben, il y aura vraiment du sport. Question carrosserie, la remettre sur les... Je vais la remettre en off là-haut, là, sur son logement. Et la prochaine étape, ben, on va s'amuser. Hein. On commencera le carrossage, bien évidemment. Non, pas le carrossage, on fera déjà tout le dessous, ensemble. Dessus avant, sur arrière, patati, patata. Et puis, voilà. Bon, voilà les amis, bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu, de vous abonner, d'activer la petite cloche et de partager si le cœur vous en dit. Laissez un petit commentaire pour les personnes qui laissent commentaires à usage critique, passez votre chemin, parce que vos commentaires sont automatiquement supprimés. Parce que je vois rien de plus débile de laisser un commentaire à usage critique pour critiquer. Faites vos preuves, après on verra. On verra ce que vous voulez. Parce que parler que des critiques, c'est bien. Passe à l'acte, c'est autre chose. Voilà. Comme ça, au moins c'est dit. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez, salut.